C'est ton Gavantar qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc aujourd'hui même, c'est une mode of fucking exclue que je viens t'apporter. On va te faire croquer des échantillonnages du nouvel album de ma main, mon gars sûr, sûr et certain, Green Money. Voilà, note-le dans ton agenda, l'album Gnosis sortira dans les bacs le 22 décembre. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que l'album défonce. La mauvaise nouvelle, c'est que tu devras patienter jusqu'au 22 décembre pour te procurer ce motherfucking album. Donc avant de balancer les extraits, avant de m'enjailler dans les gestuels et tout ça, voilà, je voudrais passer un grand big up à ma main Green Money, parce que c'est vraiment, voilà, je m'en suis jamais caché. C'est ma plus belle rencontre dans le rap. Vraiment, c'est ma plus belle rencontre dans le rap. Et je voudrais lui rendre ses lettres de noblesse. Je connais Green Money depuis 2010. Donc, ça fera bientôt 8 ans. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était... j'avais fait une petite chronique, de son projet MP3, voilà. Sa manageuse de l'époque m'avait appelé. Je l'ai rencontré à cette à génération et depuis cette époque, on s'est plus jamais lâché. Voilà, c'est l'artiste que j'ai eu le plus au téléphone, c'est l'artiste que j'ai le plus interviewé, c'est l'artiste qui me fait confiance. Tu vois, il me fait vraiment confiance parce que là, il m'a livré son album Gnosis masterisé. Je le possède et même sous la torture et compagnie, je le garde très précieusement. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, il y a un respect mutuel. Il y a une confiance mutuelle et c'est vraiment un grand frérot. Et voilà, vraiment, tu vois, parce que dans le rap, on est tous là. Ouais, t'inquiète, on est ensemble, la famille, nanani. Et le rap, c'est comme tout. Hein. C'est comme le travail, c'est comme la vie en général. Il y a beaucoup de copinage, de macrélage et tout, comme dans les salons de coiffure. À chaque fois, c'est ouais, mon frère, on est ensemble. Ouais, la famille, nanani. Mais on sait qui sont les vrais et on sait qui sont les fakes. Voilà, en tout cas... Ma main Green Money, voilà. Notre relation, c'est plus deep que le rap. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai chroniqué tous ses projets. Je l'ai interviewé au moins 4 fois. Et depuis 2010 jusqu'à maintenant, on s'est jamais lâché. Par téléphone, par mail, on reste tout ça. J'ai déjà été en studio avec lui, tout ça et tout. Donc voilà, Green Money, c'est vraiment la famille. Je veux lui rendre hommage et je le remercie pour sa confiance parce que comme je t'ai dit, l'album sort le 22 décembre. Je le possède déjà quasiment un mois à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Pour te montrer à quel point il me fait confiance. Donc voilà, trêve de plaisanterie, trêve de galéjade. Voilà, je vais te faire découvrir quelques morceaux. Il y a 15 morceaux dans l'album. Voilà, je vais t'en faire découvrir quelques-uns, tu vois, mes préférés, pour que t'aies encore quand même du désir et que ça suscite ta curiosité. Mais je peux te dire que ce que je vais te faire écouter, mon gars, ça va te mettre déjà la pression. Et je peux te dire que t'auras ton carré de l'avant, là, avant Noël, à manger des chocolats. Je peux te dire que tu vas faire des croix sur ton frigidaire jusqu'à la sortie de l'album de Green Money parce que je peux te dire, mon gars, l'album est très, très, très... sérieux, voilà, tu vois, en plus Green Money, il a tout connu, il a connu les maisons de disques, il a connu l'indépendance, il a un espèce de parcours atypique, mais en tout cas, que ce soit des EP, des mixtapes, des albums, il a toujours fourni un travail de qualité, et je peux te dire que Gnosis est calibré. C'est parti, prépare-toi, cramponne-toi, va chercher des pop-corn, va chercher une petite boisson, délecte-toi, je vais balancer la sauce, mon gars. Mon gars, je peux te dire que c'est du très très sérieux. Prépare-toi. Bon, on balance direct. On balance direct le napalm, la nitroglycérine, l'artillerie lourde. Mon gars, le morceau s'appelle Gnosis. C'est le titre éponyme de l'album. Mon gars, écoute ce genre de prod. Mon gars, le mec est en avance. Le mec est en avance. Quand j'ai eu ma main Green Money au téléphone, tu sais ce qu'il m'a dit? Est-ce que tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon gars... L'album n'est même pas encore sorti, Gnosis, que je taffe déjà sur le prochain. Tu vois ce que je veux dire? Et il m'a dit, j'ai coffré des instrus. J'ai des instrus sous le coude, sous le côté. Je peux même pas les sortir maintenant tellement je suis en avance, tellement je suis dans un futur avant-gardiste. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a dit, ma main Vantard, je peux même pas les sortir maintenant tellement je suis en 2024. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà rien que ce son-là, mon gars, Gnosis... T'es pas prêt, t'es pas prêt. Sors-moi un seul album de rap français cette année avec ce style de prod avant-gardiste.
T'es pas prêt? T'es pas prêt, mon gars? T'es pas prêt? Tu n'es pas prêt? Gnosis! La peur est plus forte que l'amour, faut-il tous les terroriser? Mon quartier toujours défavorisé. Fan de Neymar, Trimorga aussi. Là je filme tout un art rentabilisé. C'est tous des jungles aimés. Le temps de faire la main, l'orange allumé. La jungle c'est la mafia. L'héroïne dans une seringue monte à raffia. Grignol et grignologie. Vous enseignez, vous autres la rapologie. GNO aussi, et je porte la ceinture d'Orient pour la... T'as chaud, hein? T'as chaud, mon gars! On dit leur messe. Le mental est calibré. Au sommet de la montagne équilibrée. On a parcouru des kilomètres. Obstacle et un fou la mettre. Le nord, la couleur la plus dominante. Puis 2000 feux prenant de la crème. Les diables ne font jamais machine arrière. Une fois dans le feu, boy, y'avait les prêtres. Tu frappes à plus de 10 mètres. Sans qu'on trahisse, vite que j'allume. Faut rester en vie, mec. Faut du respect, tranquillité. Tu vois là, il y a un mec qui parle. J'ai appelé ma main Green Money. Je lui ai dit, mais le mec parle en quelle langue? Mon gars, le mec parle en russe. Écoute, mon gars, la direction artistique, comment l'album est abouti. Je t'ai dit, ma main Green Money n'est pas qu'un rappeur, c'est une motherfucking rockstar. Il connaît la musique, il maîtrise son sujet. Et tu vois, il y a le gars qui parle en russe. Écoute la petite meuf là qui fait les voix derrière mon gars, les bails d'harmonie et compagnie. Tu n'es pas prêt pour ce genre d'aboutissement musical. Écoute la meuf, écoute la meuf. И это все держится на фундаменте под названием уважение. 427, нас знает Париж, нас знает Москва. Не здесь, муга! И теперь нас знаешь ты. Bon, j'arrête ou je continue, tu vois? Là, je peux, si je veux, je peux terminer là. Voilà, fin du game. Mon gars, tu n'es pas prêt pour Gnosis. 22 décembre dans les bacs. Pff, mon gars, on va monter en puissance. On va monter en puissance, tu n'es pas prêt. 22 décembre dans les bacs. Le prochain morceau s'intitule Code Noir. Il y a un espèce de quinfri qui chante dans une langue quinfri, dans un dialecte. Je ne sais pas en quelle langue il parle, mais mon gars, I feel the feelings, I feel the sensation, I feel the pain, mon gars. Oh là là, tu n'es pas prêt. Je t'ai dit, mon gars, écoute, l'aboutissement. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Écoute ça. Tu n'es pas prêt, écoute. Code noir. Le son de la victoire. La chute des aigles, le retour du faucon d'un flot surdimensionnel. Sorti des eaux du Nil, réincarné en amour inconditionnel. Fais confiance à la mort, ne tourne jamais le dos à la vie. Être humain haineux à tort, d'Ender à mythologie. Beaucoup pensent me connaître sans eux-mêmes se connaître, ces gens sont-ils honnêtes? Prochain son, il s'intitule Marijuana. Tu n'es pas prêt, mon gars, tu n'es pas prêt. Là, on n'est pas dans les albums trap, 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 autotune, 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 autotune. Là, on est dans un album d'un gars qui connaît la Zikmu. Un gars à aboutissement.
Tu vois ce que je veux dire? J'insiste là. L'album est abouti musicalement parlant, dans les mélodies, dans les bridges, dans les vibes. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pépite. C'est un pépite. C'est une pépite. C'est un bijou. Tu vois ce que je veux dire? Mon gars, il a respecté la clientèle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trap, 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 autotune, son de chicha, son de vendu de je sais pas quoi. C'est un vrai album de rap. C'est un vrai album de Zikmu. Marijuana. Fuck. Marijuana, mon gars. Parler. Respecte la mère des gosses, mon négro reste clean. Gentleman, époque streetwear ou tenue de ville. Les filles aiment voyager, les mecs aiment trop rager. Dès qu'elles posent leurs yeux sur nous, rien qu'ils aiment nous plager. Je t'offre un cappuccino, un son style Tarantino. Aquarium dans la limo, tu ferais mieux d'éteindre ton bigot. Y'a rien à voir à filmer. Tu as boire à fumer, marijuana, martini, vodka, majeur vacciné. Marijuana, marijuana, j'tire sur mon blunt, fume un bête et belle. Marijuana, marijuana, Green Mole. Bon mon gars, là le morceau que je vais te faire écouter, ça normalement c'est un morceau, si les radios jouent le jeu, c'est haute rotation en playlist. Mon gars, là le morceau que je t'ai dit, on monte en puissance. C'est un tube automatique hit, voilà. Est-ce que tu as vu le film Léon avec Jean Reno et Nathalie Portman réalisé par Luc Besson? Est-ce que tu te rappelles tout à la fin du film, il y a un morceau du chanteur de Police là, comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié son blaze là, le mec c'est Every break you hate, and I write you say, and I write you. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, mettez-le dans les commentaires, j'ai un trou de mémoire. Et bon bref, à la fin de ce film là de Léon, il y a le morceau, bon le sample il est cramé, tu le connais, je crois Craig David il l'a pris, tout ça et tout. Mon gars, écoute comment Green Money l'a rejoué la truc, mon gars, le morceau s'appelle Patience, c'est un mode of fucking hit. Si les radios jouent le jeu, ça normalement c'est haute rotation en playlist, single d'or, single de platine, Patience. Tu te rappelles, dans Léon, tu te rappelles ou pas? Ouais mon gars, c'est comme ça que ça se passe avec ma main Green Money. Gnosis, 22 décembre. Faut aller le pécho mon gars. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, je t'ai dit c'est pas un album de rap, c'est plus deep. Celui qui n'a pas d'objectif risque de ne pas les atteindre. Faut rester confiant et positif, y'a absolument rien à rien craindre. Jeunesse au quartier, gueule et triste, à jamais en perte de vitesse. La violence ne cesse, prend du terrain, mais où est donc cette prophétesse? 22 décembre! Celle qui adoucit les mœurs, qui sait parler, apaiser les cœurs. On tue un pour en terrifier un millier, voilà ici à quoi on joue. Hommes de valeur humiliés, exécutés à genoux. Le soleil va se lever pour briller, le monde entier parlera de nous. N'aie point de doute, moi j'ai confiance en toi. Continue ta route, beaucoup attendent de toi. Laisse les autres parler, patience, rien ne presse. Laisse les autres parler, patience, rien ne presse. Continue ta route, beaucoup attendent de toi. Laisse les autres parler, patience, rien ne presse. Laisse les autres parler, patience, rien ne presse. Le prochain morceau s'intitule Invincible. Mon gars,
L'album de ma main Green Money, il y a des hit bangers, il y a des street shit, il y a des street anthems, il y a des hits, des automatic hits, mon gars. Mon gars, on est le 1er décembre. Il faut que tu patientes encore 3 semaines pour te procurer ce motherfucking masterpiece. Invincible, lourd. Classique. Être une cible, être envié de tous, moi j'en ai marre. Est-ce possible de commencer un nouveau départ? Je regarde, je respire même plus, je crois que j'ai plus d'air. Et si j'étouffe, tout ce stress envahit mon espace. Invincible, sous cette emprise, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je m'en libérerai. Impassible, mais malgré le cri, non, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je m'en libérerai. Suis moi déjà, je me retournerai pas. Tournerai pas, je te le promets. Jamais je retournerai sur mes pas. Sur mes pas, je te le promets. Et même ces gens ne me connaissent pas. Connaissent pas, mais ils s'empressent de me dénigrer, me citer. Mais ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je te le promets. Être une cible, être envié de tous, moi j'en ai marre. Est-ce possible de commencer un nouveau départ? Je regarde, je respire même plus, je crois que j'ai besoin d'aide. Si j'étouffe, tout ce stress envahit mon espace. Tu veux rassurer, mais sous cette emprise, mais ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je m'en libérerai. Bon, on va revenir dans le dur, parce que je t'ai dit, t'inquiète pas mon gars, 15 morceaux, différentes ambiances, différentes vibes, il y a des hits, il y a des bangers, il y a des street anthems, il y a des différents, tu vois ce que je veux dire? Différentes saveurs, tu vois, c'est pas trap, 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 autotune, 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 il y en a pour tous les goûts mon gars, pour les mecs, pour les meufs, pour les plus jeunes, pour les... Il y en a pour tous les gars, mon gars. Il a régalé tout le monde. C'est un vrai album de rap. C'est un vrai album de musique. Voilà. Prochain morceau s'intitule Hallelujah. Nigga, we made it. Hallelujah, hallelujah. Tu n'es pas prêt, mon gars. Faut attendre encore 3 semaines. Le 22 décembre. Hallelujah, hallelujah, my nigga, we made it. Bitch, get the fuck out my face, I'm tryna be famous. Hallelujah, hallelujah, my nigga, we made it. Bitch, get the fuck out my face, I'm tryna be famous. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, my nigga, we made it. Get the fuck out my face, I'm trying to be famous. Beaucoup de ragots se sont montrés négligents. Beaucoup de rage entre beaucoup de sympathisants. Rap de faucon, tous vos ex sont des pigeons. La bêtise fait compte tout sauf l'acte intelligent. Ça peut faire du pis, ça va finir sous cello. Ta meuf sur la piste, boy hotel. Machiavélisé, cristallisé. Flow double fois comme risque à jeune médusé. Remballe ton 9 000 mètres. Ils sont tirés à Kalashnikov. Je rappe à des millions, millions, millions de kilomètres de la terre. Mes gosses sont du kiff, hein. J'y vais dur à la poutine, flow guillotine. Mon magnum boy. Tu sais que t'as Madou, tu sais que t'appelles Mamadou. J'y suis nagé où? J'n'aurai Manodou. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tu seras fini molle comme une nouille. Pendu par la schneck, par les couilles. Hallelujah, hallelujah, my nigga, we made it. My nigga, we made it. Bitch, get the fuck out my face, I'm tryna be famous. Allez, un petit dernier pour la route et pour ceux qui ont kiffé les quelques sons que je t'ai fait croquer en total exclu. Je te mets dans les commentaires le track listing, tout ça pour que tu puisses cliquer, tu vois. Par exemple, si t'as kiffé Invincible ou si t'as kiffé Marijuana, tu pourras cliquer et ça va te mettre directement à la piste, voilà. En tout cas, mon gars, on va s'enjailler sur ce dernier son qui s'intitule Bras d'honneur. Mon gars, l'album est calibré. Tu vois, moi, je t'ai fait
croquer quelques exclus, les morceaux que j'ai vraiment kiffé, mais tout l'album, mon gars, il y a un petit son West Coast là à la fin, tout ça, il est. Mais bon, je peux pas te faire croquer tout l'album, tu vois, on garde un petit peu de mystère. Mais mon gars, en tout cas, le projet est très, très, très sérieux, tu vois ce que je veux dire? Et malgré que ce soit mon gars sûr et certain, je te parle en toute objectivité. Tu vois, en tout cas, quand je l'ai au téléphone ou quoi au caisse, s'il y a un instru que j'ai pas trop kiffé ou un truc, moi je reste toujours objectif avec lui et j'irai jamais m'enjailler comme ça sur des morceaux si je les trouve pétés. Voilà. Donc le dernier morceau s'intitule Bras d'honneur. Voilà, comme je te l'ai dit, 22 décembre dans les bacs, il faudra aller pécho ça. Et mon gars, l'album, le projet est très, 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 très sérieux. Voilà. Donc, dernier morceau, Bras d'honneur pour te faire kiffer. Après, je t'ai dit, il y a d'autres morceaux tellement lourds. Mon gars, tu n'es pas prêt. Système monétaire pour arriver à leur fin. Dépense des milliards pour la guerre. Le peuple veut de faim. Veulent semer la terreur. Attaque de l'intérieur. Se croit supérieur. Légion ou bras d'honneur. On connaît cette vie à toute vitesse. Ceux qui partent en premier. Sans se comprendre. Allez, je suis généreux. Un dernier morceau parce que je te kiffe, mon coco. Allez, allez, je suis généreux. Alors attends, c'était quoi le son West Coast? Est-ce que c'était celui-là? Je crois que c'est Sunset. Voilà. Je te fais croquer juste un petit peu l'instru. Woo! West Coast, nigga! West Coast, nigga! West Coast, nigga! Béni comme les trois kings dans une caprice dans les rues Sunset. Ride on the king, qui m'écoute la street like gâchette. Viens surfer sur la bonne vague, on inonde, on zone sur toutes les ondes. Ready to die, Bonnie and Clyde n'est pas une fiction. J'plane dans la réalité, en pleine marginalité. Toi t'es trop gourmand, toi t'es trop gourmand, donc voilà. Mon gars, je n'ai plus qu'une chose à te dire. Je te souhaite un bon week-end, 22 décembre dans les bacs. Gnosis, 15 morceaux, il y a des feats, bon j'ai pas truqué parce que moi je t'ai dit c'est le CD masterisé, j'ai pas le track listing tout bien détaillé, mais en tout cas voilà, 22 décembre dans les bacs, merde, pardon, 22 décembre dans les bacs, il t'a donné ça, il t'a respecté, c'est un vrai album de rap, c'est un vrai album de musique abouti, tu vois, je t'ai dit, c'est pas trap, 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 son de chicha, son de vendu, c'est un vrai album de rap, c'est un vrai album de musique abouti, musicalement parlant, parce que ma main Green Money a ce style de savoir-faire. Tu vois ce que je veux dire? Il a ce style de savoir-faire, il a sa patte et son album ne ressemble à rien du tout de ce qui est sorti cette année. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, 22 décembre dans les bacs, tu peux écrire au Père Noël pour qu'il te le mette sous ta hotte ou quoi. Mais en tout cas, 22 décembre, Gnosis, validé, certifié, projet très très sérieux. C'était ton Gavantard, peace and love.